va à Angola. Tu savais qu'on serait là tous les trois ce soir? Non, elle m'a rien dit. Ok, ça te pose pas de problème qu'on soit tous les trois? Bah si, mais bon. Maintenant que je suis là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je rentre chez moi en courant? Effectivement, non. T'as pas l'air très concerné quand même, à ce que je vois. Comment tu veux que je sois concentré avec ça? Mate-moi cette paire de seins, mon frère. C'est pas toi le Renoir 100% Made in Africa dont Ramata nous parle à chaque fois? Oui, c'est moi, et alors? Ça te choque? Parce que je te montre ça? Attends, mon petit. Chacun ses techniques de drague, ok? Et là, tu vas pas me faire la morale. Moi, j'ai déjà parlé avec Ramata. Elle m'a dit qu'elle allait parler avec des garçons, que je vois là. Et moi aussi, je parle avec des meufs, simplement. Si c'est normal. Et tu vas pas me dire que toi aussi, tu as pas tes petits secrets? Tony, t'as fini la salle de bain? Oui, c'est bon, j'ai fini. Je prends juste les médicaments. Ok, merci. Mike! Zombie! Mike! Ouais? Où, s'il te plaît, j'ai oublié mes médicaments? C'est ça? Ah, je te remercie. Ramata, t'aurais pu nous dire que tu nous inviterais tous les trois ici ce soir. Oui, j'aurais pu vous le dire. Mais est-ce que vous seriez venu? Écoute, maintenant on est là. Maintenant, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu nous as fait venir tous les trois, le même jour, à la même heure, au même endroit? Pourquoi? À vrai dire, Zora, s'il te plaît, pas maintenant. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. D'accord, mais pas maintenant, s'il te plaît. J'ai aussi quelque chose à dire. S'il te plaît, ma chérie. Bien, si je vous ai invité ici, c'est parce que je suis égoïste. J'ai voulu penser un petit peu à moi, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me sentir courtisée, vraiment. Je vous ai dit que je sortais d'une relation qui s'était mal terminée, mais je vous ai pas dit comment elle s'est terminée. En fait, c'était le jour de mon mariage et j'ai appris qu'il me trompait. Et franchement, c'est une grande blessure. Grâce à vous, j'ai réussi à refaire confiance. Et vous vous en doutez, à l'issue de cette soirée, il va falloir que je fasse un choix. Mais j'ai voulu quand même vous inviter tous les trois pour vous le dire en face, parce que je tenais à être honnête.
comme au début. Ok, Ramata, écoute. Ton discours, il était poignant, saisissant, émouvant, tout ce qui se finit par « en », super. Mais on va arrêter de tourner autour du pot, hein, ok? Parce que faudrait pas que tu sois blessé à nouveau, sincèrement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu t'es livré avec émotion en pensant être tombé sur trois mecs plutôt sincères. Mais c'est pas le cas, là. On parle de mariage, là, à un moment donné. Donc, on peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Et il faut vraiment que Ramata sache sur quoi elle s'engage sur le long terme. N'est-ce pas, Tony? Mec, tu joues à quoi, là? Faut pas laisser traîner tes médocs comme ça, franchement. Ah, parce que tu crois tenir un scoop en disant ça? Elle est au courant, t'inquiète pas. Attends, au courant de quoi? Voilà, Ramata, c'est ce dont je voulais te parler. Attends. Je comprends rien, là. J'ai pas saisi. Mais, allô, quoi? Elle est en train de te dire qu'il a le sida. Le sida? Non, mais attends. N'essaie pas de m'endormir. Tu m'as rien dit du tout. Ramata, c'est ma faute. Je suis désolée. En fait, oui, Tony te l'a dit, mais depuis tout à l'heure, j'essaie de placer un mot, tu me permets pas. Il te l'a dit sur le chat. C'est moi qui utilisais le compte. Je suis désolée. Mais c'est quoi ce délire? Bon, eh ben, pour éviter un deuxième mariage raté, l'homme là-bas, là, monsieur Made in Africa, en face, t'as l'impression qu'il sort qu'avec des Lupita Nyong'o, mais en réalité, derrière, il court derrière les tissages de Beyoncé et tout ça. Tu vas quand même pas croire ce qu'il te raconte? Oh, attends, pardonne-moi! Qu'est-ce que... Pardonne-moi, Ramata, c'est pas ma faute! C'est quoi son problème? Je suis faible! Je suis un homme faible! Pardonne-moi, c'est pas de ma faute, s'il te plaît, comprends-moi! Comprends-moi, Ramata, s'il te plaît, c'est pas moi, c'est pas de ma faute! J'ai subi un traumatisme quand j'étais petit! Je me suis fait violer par ma tante! Tu t'es fait violer? Oui, par ma mère! Attendez, il y a deux secondes, il vient de dire que c'était sa tante. Je comprends pas. Oui, mais c'était ma mère, mais en fait c'était ma mère et c'était ma tante. Et en plus j'ai tout subi quand j'étais petit, mais c'était tellement traumatisant. C'est l'émotion, c'est à cause de l'émotion, je raconte n'importe quoi. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais t'es juste pathétique. Mais lève-toi là. Comporte-toi comme un bonhomme. Arrête de chialer. Mais t'es sérieux? Tu t'es foutu de moi en fait. Tu t'es servi d'une noble cause? Pourquoi en fait? En fait, tu voulais me sauter. T'avais envie de me sauter, c'est juste ça. Et toi, Tony? Comment t'as pu me faire ça? Me cacher ce genre de choses? Ramata. Non, mais c'est pas possible, sérieux. Vous jouez à quoi, là? C'est pas de sa faute. C'est pas possible, je vais craquer. J'hallucine. Vous vous rendez compte ou pas? Vous croyez dans un film ou quoi? C'est pas possible. C'est quoi là, ton quatrième prétendant? Très drôle, Mike. Par rapport à qui c'est, je vois pas ce qui pourrait être pire. Jibril, qu'est-ce que tu fais là? On avait convenu que je pouvais passer le soir récupérer mes affaires, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je dérange?